Bruno Bourgoin, vous présentez au plafond des gains, il perd la mag dans le quintet de samedi à Enghien. La jument fait un retour sur cette piste, on l'a vu assez régulièrement au printemps, elle reste sur une disqualification à Vincennes début juillet 2100. Oui, la jument a échappé à Gabriel à l'entrée une droite. On ne sait pas trop pourquoi, il était facile, il aurait été sur seconde, voilà. Comment est-elle depuis l'entraînement? Cette affaire-là, la jument est très bien. C'est vraiment une belle course pour elle, elle descend de catégorie. Hein. Oui, par rapport à des lots qu'elle a affrontés ou quoi que ce soit, je veux dire, piste 4, ça ne va pas la déranger. Voilà, quoi, je veux dire, c'est tout, il n'y a pas d'Européens, machin, je veux dire, il y a beaucoup de points positifs la concernant. Au niveau de sa ferrure, vous allez la présenter comment? Elle avait été déférée d'antérieur hein, dernièrement. Voilà, elle va être pareil. Je préfère la jument avec deux petits alus au postérieur que déférée des quatre. Il y a des fois, c'est pas une jument qui a besoin d'un tout petit peu trop fort derrière. Mais devant, elle a de très bons pieds, on peut la déférer sans problème. Elle a gagné une course dans le meeting d'hiver de Vincennes. Elle peut à nouveau retoucher au but. Vu ce qu'elle montre la forme à la maison, je vais pas trop regarder l'opposition, quoi. Mais ce qu'elle a géré l'autre jour, elle aurait marché un petit 12 et 200 de la grande piste. Oui, c'est... on va regarder sa performance. La jument aurait été sur seconde. Voilà, c'est pas... je pense que c'est pas le même l'autre jour. Samedi, voilà, quoi. À mon avis, elle fait partie des bases de la course.